La belle au bois dormant. Un conte de fées proposé par Charles Perrault en 1697. Enregistrement en livre audio en 2017, dans sa version originale linguistique en moyen français, par Stefano Franco Bora alias Chagans, pour le libre partage des cultures du monde. Il estoit une fois, un roi et une reine qui estoit si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde. Vœux, pèlerinage, menus dévotions, tout fut mis en œuvre et rien n'y faisoit. Enfin, pourtant, la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on pusse trouver dans le pays, et il s'en trouva sept, afin que chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eusse par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un estui d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de finor, or garnis de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenoit sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée parce qu'il y avait plus de cinquante ans qu'elle n'estoit sortie d'une tour et qu'on la croyât morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un estui d'or massif comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait faire que sept pour les sept fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouva auprès d'elle l'entendit et, jugeant qu'elle pourra donner quelque fâcheux dons à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sorti de table, se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière et de pouvoir réparer, autant qu'il lui sera possible, le mal que la vieille aurait fait. Cependant les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle sera la plus belle personne du monde, celle d'après qu'elle aura de l'esprit comme un ange, la troisième qu'elle aura une grâce admirable à tout ce qu'elle fait roi, la quatrième qu'elle dansera parfaitement bien, la cinquième, qu'elle chantera comme un rossignol, et la sixième, qu'elle jouera de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit, en branlant la teste, encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se perçoit roi la main d'un fuseau et qu'elle en mourra. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendoit à toute personne de filer au fuseaux, ni d'avoir des fuseaux chez soi, sous peine de la vie. Au bout de quinze ou seize ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut du donjon dans un petit Galta, où une bonne vieille estoi seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avoit point ouï parler des défenses que le roi avait faites de fil au fuseau. Que faites vous là, ma bonne femme? dit la princesse. Je file, ma belle enfant, lui répondit la vieille, qui ne connaissoit pas. Ah. Que cela est joli, reprit la princesse, comment faites vous? Donnez moi que je vois si je m'en ferai bien autant. Elle n'eussent pas plutôt pris le fuseau que, comme elle estoit fort vive, un peu estourdie, et que d'ailleurs reste des fées l'ordonnoit ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tout coster. On jette de l'eau au visage de la princesse. On la délasse, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisoit revenir. Alors le roi, qui estoit monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant bien qu'il falloit que cela arrivasse, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit un ange, tant elle estoit belle, car son évanouissement n'avoua pas ôter les couleurs vives de son teint, ses joues estoient incarnates, et ses lèvres comme du corail. Voit seulement les yeux fermés, mais en l'entendant respirer doucement, ce qui faisoit voir qu'elle n'estoit pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée qui lui avoit sauvé la vie en la condamnant à dormir cent ans estoit dans le royaume de Matakin, à douze mille lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avoit des bottes de sept lieues, c'estoit des bottes avec lesquelles on faisoit sept lieues d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avoit fait, mais comme elle soit grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller elle sera bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui est toi dans ce château. Or le roi et la reine, gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui est -toi dans les écuries, avec les palefreniers, les gros matins de basse cour et la petite pouffe, petite chienne de la princesse, Estoient auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elles les eussent touchées, ils s'endormirent tous, pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aura besoin. Les broches mêmes qui estoient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment, les fées n'estoient pas longues à leur besogne. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur chère enfance sans en qu'elle s'éveilla, sortirent du château, et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses ne -ce soient pas nécessaires, car il crut, dans un quart d'heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres, que baisse ni homme ni roi pu passer, en sorte qu'on ne voyât plus que le haut des tours du château. Encore nettoise, que de bien loin. On ne douta point que la fée n'eussent encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormit roi, n'eût à craindre des curieux. Au bout de cent ans, le fils du roi qui rénoit alors, et qui est d'une autre famille que la princesse endormie, estant allé à la chasse de ce costel demanda ce que c'est toi que des tours qu'il voya au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait tout y parlé, les uns disoient que ce soit un vieux château d'où il revenoit des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisoient leur sabbat. La plus commune opinion est qu'un ogre y demeuroit, et que là il emportoit tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le puisse te suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois le prince ne savoit qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit mon prince il y a plus de cinquante ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse la plus belle du monde qu'elle y devoit dormir cent ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui est l'histoire réservée le jeune prince à ce discours se sentit tout de feu il crut sans balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qui en estoit. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres, ses ronces et ses épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marche vers le château qu'il voya au bout d'une grande avenue où il entra. Et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ces gens ne l'avoit pu suivre parce que les arbres s'estoient rapprochés dès qu'ils avoient été passés. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Un prince jeune et amoureux et toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord est soit capable de le glacer de crainte. C'est toi un silence affreux. L'image de la mort s'y présente-toi partout et ce n'est toi que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui, par à soi, morts. Il reconnut pourtant bien, au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses, qu'il n'est toi qu'endormi et leur tasse, où il y voit encore quelques gouttes de vin, montroient assez qu'ils n'estoient endormis en beuvant. Ils passent une grande cour pavée de marbre. Ils montent l'escalier. Ils entre dans la salle des gardes qui estoient rangée en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Ils traversent plusieurs chambres, pleines de gentilhommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée, et il voit sur un lit dont les rideaux estoient ouverts de tous côtés le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse qui paroissa avoir quinze ou seize ans et dont l'éclat resplendissant avoit quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement estoit venue, la princesse s'éveilla et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première ouée, ne loi le permettre. Est ce vous, mon prince, lui dit elle, vous vous êtes bien fait attendre. Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles s'est dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui même. Ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il est plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en estonner. Elle avoit eu le temps de songer à ce qu'elles aurait à lui dire, car il y a apparence, l'histoire n'en dit pourtant rien, que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avoit procuré le plaisir des songes agréables. Enfin, il y avoit quatre heures qu'ils se parloient, et ils ne s'estoient pas encore dit la moitié des choses qu'ils avoient à se dire. Cependant tout le palais soit réveillé avec la princesse. Chacun son joie à faire sa charge, et comme ils ne soient pas tous amoureux, ils mourroient de faim. La dame d'honneur pressée comme les autres s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande est soit servie. Le prince aida la princesse à se lever. Elle est soit tout habillée et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle soit habillée comme ma mère grand et qu'elle a un collet monté. Elle en est soit pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroir et soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près de cent ans qu'on ne les jouasse plus, et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu, la princesse n'en avait pas grand besoin, et le prince la quitta, dès le matin, pour retourner à la ville, où son père devait être en peine de lui. Le prince lui dit qu'en chassant il s'était perdu dans la forêt, et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier, qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi, son père, qui est soit bon bonhomme, le crut mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il alloua presque tous les jours à la chasse, et qu'il avoit toujours une raison en main pour s'excuser quand il avoit couché deux ou trois nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette, car il vécut avec la princesse plus de deux ans entiers et en eut deux enfants, dont le premier, qui fut d'une fille, fut nommé L'Aurore, et le second un fils qu'on nomma Le Jour, parce qu'il paroissa encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il falloit se contenter dans la vie mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la croigna, quoiqu'il l'aimaste, car elle est de race ogresse, et le roi ne la voit épouser qu'à cause de ses grands biens. On disoit même, tout bas à la cour, qu'elle avoit les inclinations des ogres, et qu'en voyant passer de petits enfants, elle avoit toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi le prince ne lui voulut jamais rien dire. Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de deux ans, qu'il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage et alla en grande cérémonie quérir la reine sa femme dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale où elle entra au milieu de ses deux enfants. Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur butte, son voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine sa mère et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il le voit testre à la guerre tout l'été et dès qu'il fut parti, la reine mère envoya sa brue et ses enfants à une maison de campagne dans les bois, pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après, et dit un soir à son maître d'hôtel Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore. Ah. Madame, dit le maître d'hôtel. Je le veux, dit la reine, et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. Et je la veux manger à la sauce Robert, ce pauvre homme voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite aurore. Elle avoua pour lors quatre ans et vint en sautant et en riant se jeter à son col en lui demander du bon du bon. Il se mit à pleurer le couteau lui tomba des mains. Et il alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau, et lui fit une si bonne sauce que sa maîtresse l'assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon. Il la voit emporter en même temps la petite aurore, et la voit donner à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle a voit au fond de la basse-cour. Huit jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel ⁇ Je veux manger à mon souper le petit jour ⁇ et Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour et le trouva avec un petit fleuret à la main, dont il faisoit des armes avec un gros singe. Il n'avoit pourtant que trois ans. Il le porta à sa femme, qui le cacha avec la petite aurore, et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela estoit fort bien allé jusque-là, mais un soir cette méchante reine dit au maître d'hôtel Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants. Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avoua vingt ans passés, sans compter les cent ans qu'elle avait dormi. Sa peau est soit un peu dure, quoique belle et blanche, et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela. Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la reine, et monta dans sa chambre dans l'intention de n'en pas faire à deux fois. Il s'excitoit à la fureur et entra, le poignard à la main, dans la chambre de la jeune reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre, et lui dit avec beaucoup de respect l'ordre qu'il a reçu de la reine mère. Faites votre devoir, lui dit elle en lui tendant le col, exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants, que j'ai tant aimés, car elle les croyait morts, depuis qu'on les a enlevés sans lui rien dire. Non, non, madame, lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri, vous ne mourrez point et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos chers enfants. Mais ce sera chez moi où je les ai cachés et je tromperai encore la reine en lui faisant manger une jeune biche en votre place. Il la mena aussitôt à sa chambre où, la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla accommoder une biche que la reine mangea à son souper avec le même appétit que si suste été la jeune reine. Elle estoit bien contente de sa cruauté. Et elle se prépara à dire au roi, à son retour, que des loups enragés avaient mangé la reine, sa femme et ses deux enfants. Un soir qu'elle rôdoit, à son ordinaire, dans les cours et basse cours du château pour y halener quelques viandes fraîches, elle entendit dans une salle basse le petit jour qui pleuroit parce que la reine, sa mère, le vouloit faire fouetter, à cause qui la voit était méchant et elle entendit aussi la petite Aurore qui demandoit pardon pour son frère. L'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants, et, furieuse d'avoir été trompée, elle commanda, dès le lendemain matin, avec une voix épouvantable qui faisoit trembler tout le monde, qu'on apportasse au milieu de la cour une grande cuve, qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avoua donner ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Ils estoient là, et les bourreaux se préparoient à les jeter dans la cuve, lorsque le roi, qu'on n'attendoit pas si tôt, entra dans la cour à cheval. Il estoit venu en poste et demanda à tout estonné ce que vouloit dire cet horrible spectacle. Personne n'osoit l'en instruire, quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voya, se jeta elle-même la teste la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avoit fait maître. Le roi n'en laissant pas d'en être fâché, elle estoit sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants. Moralité attendre quelque temps pour avoir un époux, riche, bien fait, galant et doux, la chose est assez naturelle, mais l'attendre cent ans et toujours en dormant, on ne trouve plus de femelle qui dormit si tranquillement. La fable semble encore vouloir nous faire entendre. Que souvent de l'hymen les agréables nœuds pour d'êtres différents n'en sont pas moins heureux, et qu'on ne perd rien pour attendre, mais le sexe, avec tant d'ardeur, aspire à la foi conjugale, que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale. tour